Choisis la vie. Tu diffuses l'amour, tu rayonnes l'amour. Tu as reçu l'amour de Dieu pour toutes les parties psychiques qui t'habitent et que tu n'arriverais pas à aimer, pour ces pans de ta personnalité que tu refuserais, pour cette chambre mal rangée, pour ton corps avec lequel tu as tant de mal à te réconcilier. Quand tu acceptes de recevoir l'amour divin, il te traverse, tu le diffuses et tu le reçois en retour. Tel est le miracle de l'abondance divine. Plus tu donnes, plus tu reçois. L'amour de Dieu est humble et désintéressé. Il ne demande rien. À l'inverse, le nôtre, l'amour psychique, est toujours une forme d'échange. Même quand nous venons en aide à autrui, et nous avons à le reconnaître humblement, ainsi un médecin ne peut-il exercer son métier que grâce à ses malades ? Il soigne, certes, mais en dehors de ses études, ce sont ses clients, ses patients qui le forment et sa pratique quotidienne approfondit ses connaissances. Par ailleurs, ses soins sont rémunérés, ce qui lui permet de vivre. Sa fonction le valorise et lui procure une place estimée dans la société. Il en est de même dans toutes nos relations d'amour. Voyons le bien en face, et il n'y aura plus de dominant et de dominé, de sauveur et de sauvé. Simplement des personnes qui donnent et qui reçoivent, qui équilibrent la joie du don et la louange, la reconnaissance pour toute l'aide reçue. Reconnaître et accepter nos limites, nos besoins, humblement, réalistement, fera de nous des petits frères universels, comme Charles de Foucault, ce frère universel, qui lui se ressourçait dans l'amour divin, dans l'adoration, on nous dit même jusqu'à des fois 7 heures, quand il était à Nazareth, à genoux. Lui s'est laissé transformer, ressourcer par l'amour divin dans le mystère eucharistique, dans la prière au quotidien, dans le service, dans la rencontre de tous ses frères et sœurs. Lui qui a été à l'encontre aussi de tous ses frères et sœurs musulmans au sud de l'Algérie. Lui s'est laissé transformer, ressourcer par l'amour divin. Il s'est laissé traverser par lui, pour mieux le diffuser et bien sûr mieux le rayonner. Alors pour toi ce matin, il en est de même. N'imite pas Charles de Foucault. Tu as ta grâce propre, tu es un être unique, avec des talents exceptionnels. À toi de te ressourcer, de diffuser et rayonner l'amour. Et tu deviendras ce petit frère, cette petite sœur universelle.